Claudie, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, j'installe les, ce qu'on appelle les codens, c'est-à-dire les collecteurs pour le filet à nappe qu'on va déployer là tout de suite. Donc il y a 5 collecteurs et on va fermer donc les... On a programmé les filets pour qu'ils se ferment à... pour qu'ils collectent à différentes profondeurs. Donc on aura 5 échantillons qui vont aller dans chacun des collecteurs. Et puis là par contre, le système est un petit peu compliqué à mettre en place, surtout quand il fait froid et qu'on a des gants. Et voilà, on y arrive. Jusqu'à quelle profondeur en fait? Quelles seront les différentes profondeurs? Là, on va échantillonner au plus profond à 250 mètres. Et on va échantillonner sur 5 filets. 250 mètres, 150, 100 mètres. Et aussi dans la zone plus riche, en proche de la surface. Et donc, on va positionner notre scanner, qui est un système acoustique, qui va nous donner l'immersion a posteriori. On va récupérer les données, puis on pourra vérifier à quelle immersion exactement on a programmé, à quelle immersion on a collecté les échantillons. Comment? Ouais, on commence par celui derrière. De toute façon, si tu respectes pas l'ordre, tu vas voir que ça ne s'appuie pas bloqué. Ça se tient. Voilà. On lève des leviers à l'intérieur qui permettent. En fait, attends, je vais bouger le multinet. D'ouvrir et de fermer le multinet, les filets les uns après les autres. Attends. Un peu. Voilà, il descend à 0,5. Voilà, 0,5.